Bonjour, je suis Camille Vanhoef et je vais vous parler des ateliers de la Centrale. Je suis illustratrice, je fais de la bande dessinée et des albums jeunesse. Et j'anime aussi souvent des ateliers pour enfants et parfois pour adultes. Et là, je vais animer deux ateliers à la Centrale, le 14 octobre et le 28 octobre. Le premier atelier, ça va être autour du portrait et de un peu l'histoire de la peinture et comment on peut se la réapproprier. Donc c'est un peu lié au travail de peinture qu'on peut voir dans l'expo. Et le deuxième atelier, ça va être création de petites amulettes. On va travailler en pâte fimo et donc c'est vraiment plus sur le fait de se raconter des histoires et de s'inventer des petits personnages. Et c'est plus lié au travail un peu sur le chamanisme qu'on peut voir dans les sculptures qui sont dans l'expo. Et moi, c'est lié à ma pratique aussi parce que j'utilise très souvent de la magie, des petits esprits, des petits fantômes dans les histoires que je raconte. Une chose que je trouve importante dans le dessin, c'est que en fait, pour moi, le plus important, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le fait d'avoir des années d'expérience derrière soi, mais c'est vraiment d'être concentré et d'être curieux et de prendre le temps de faire les choses et de mettre beaucoup d'amour dans ses dessins. Et je trouve que même quand c'est des dessins d'enfants, et ben, s'il dessine quelque chose qui va l'intéresser et que vraiment il va prendre le temps, il y aura quelque chose de naïf et de jeté, mais ça va tout de suite se sentir et il y a quelque chose de vraiment émouvant et c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus dans le dessin.